Bonjour à tous, c'est Knarf, je suis au Sandmeet en Italie à Turin avec David. Bonjour David, ça va? Ça va? You speak French? Non. No, no French. Donc on va le faire en français. Je suis donc chez Recorder. Et Recorder, c'est une flûte à bec électronique. Donc c'est ce petit appareil que vous voyez ici. Et il a une petite particularité, c'est qu'il peut se connecter en Bluetooth à une application ici. What's the name of the app? The name is Recorder. It's Recorder, ok, it's really, Recorder. It's really downloadable. D'accord, donc c'est une application gratuite qui permet, comme vous pouvez voir, d'apprendre, de jouer et de jouer jusqu'à 14 instruments différents. Là, vous voyez, il y a plusieurs instruments, donc on a des violons, des violoncelles, des guitares, même des guitares sitar, jusqu'à des pianos. Tout ça à la flûte à bec et même des synthés, c'est assez cool, des drums, orchestral pad, voilà. Can we have a demo maybe of the Recorder? David va nous faire une démo. Donc là, il va aller se mettre sur une clarinette, une flûte. Ok, ok, une flûte. On commence avec une flûte. Ok. On peut mettre de la reverb. Ok, delay, écho, machin. Ok. C'est parti. Super, magnifique. Changeons de son. Du hautbois. Ok, so the sound comes from the app. Le son vient de l'application. Hein. Ça, c'est un contrôleur. It's also acoustic. So, c'est aussi une flûte acoustique. So we can hear it without any electronic. Ok, il enlève cette petite pièce, d'accord? Et tu peux le... Oh, wow! C'est une vraie flûte! En plus, c'est une vraie flûte! It's a real flute! It's a real recorder! Oh my God! Flûte à bec, oui, c'est ça. Et ensuite, on peut, avec la partie électronique, aller vers toute la bibliothèque d'instruments qui est dans l'application. C'est super cool! Super cool! Okay, so David, it's for learning purposes, right? We start to think about this for learning purposes, but ouais. It works so well, which we are proposing this also. So I'm going to translate, okay. So, au début, c'était pour apprendre, et puis en fait, ça marche tellement bien qu'il le propose comme un véritable instrument. Alors, c'est sûr que voilà, les sons de cello et tout ça, c'est pas super réaliste, mais vous allez voir qu'après, il est capable de faire des sons assez cool. So, I saw that you connected that to your modular as well. Yes. Basically, this year, we are presenting also a sound machine module. Ok, un module de sound machine, ok. Ah, c'est celui-là. Is it this thing? C'est ce truc-là. Donc voilà, alors, ce qui m'explique là, c'est qu'il est en train de proposer un module qui permet de transformer le MIDI qui sort de ça en CV. Ok, la noire est connectée sur le module. Ah, sur ce synthétiseur, d'accord. By the way, d'ailleurs, c'est un synthétiseur qui est designé par Sound Machine, ça. Hein. Le Unosyn Pro. Waouh! Ah, c'est cool. Ok. Alors, il y a un accéléromètre à l'intérieur. Alors, on a quoi? On a le pitch et on a le roll, c'est ça? Ok. Pitch, ok. Ok. Donc, on peut le connecter à n'importe quel CC. We can connect it to any CC. On utilise les entrées CV. Ok, mais on peut en faire du MIDI. Ok. Waouh, c'est cool. Ces boutons là, the buttons, they are not for recording or playing. It's just to connect in Bluetooth, do some stuff. It's not really changer les octaves, d'accord. Ok. Donc c'est. Ouais. Ok. Ce qui m'a expliqué en fait, c'est que les boutons record, play, stop, c'est juste pour faire un jeu de mots avec le recorder, parce que mais ça recorde pas vraiment. Hein, c'est juste. Ah, on a la Classroom app. Ah oui, c'est ce qu'il me disait. On peut en connecter 14 enfants en classe de musique qui peuvent chacun avoir un instrument de l'orchestre. C'est cool, ça.
On peut faire différents instruments. Pour chaque... un instrument différent pour chaque participant, d'accord. Jusqu'à 14. Parfait, parfait. How much and when? 145. Et c'est déjà dispo. Magnifique. It's too close, okay? Too close. I was like this. It's a bit too close. A bit too close. Yeah. You will see in the video. I was like zooming on your nose. Sorry about that. Okay, so 145 euros déjà disponible. Ça fait flûte à bec électronique, accéléromètre pour pouvoir faire les contrôles CC. Ça, c'est la boîte. Voilà, on peut jouer au travers de l'app ou au travers du module. Le module, how much for the module and when? Ok, c'est pas terminé le milieu. D'accord. Ok, entre 160 et 200 euros pour avoir le module. Et so you're making a decision as to provide it in an enclosure like this or a module? Yes, or just a module in a modular. Okay, that's. It will be available at the end of the year. À la fin de l'année. Yeah. D'accord, d'accord. It's very, very interesting, David. Thank you very much. Merci beaucoup. Grazie mille. That's how we say. Grazie mille. Voilà, c'était Knarf au Sandmeet. C'était Recorder. Salut, salut.